cet instant de jeu pas cool. Aujourd'hui, je suis ici pour un jeu de simulation de vol. Non, je rigole, en fait, c'est Google Earth, l'application de Google pour avoir une carte, quoi. Donc, il y avait une option que si vous avez Google Earth, essayez et vous allez dans Outils, il y a un simulateur de vol et puis vous faites ce que vous voulez. Je galère un peu. Je suis en France. La maniabilité est bonne. Enfin, ouais, quand même. Mais il y a plusieurs façons de jouer avec un clavier et une souris. On peut jouer avec les touches du clavier, mais c'est vraiment immaniable. Avec la souris, comme je le fais maintenant, c'est encore assez maniable. Ou bien. Ah, oui, c'est tout. Et puis, il est aussi possible d'acheter un joystick pour jouer à ça. Vous avez le choix de votre véhicule. En l'occurrence, moi, j'ai choisi. Ah mince, j'ai oublié le nom. Véhicule. Suis en train de me balader dans la banlieue parisienne. Je vais me rapprocher pour que vous voyez mieux. Ça fait vraiment pilote de chasse quand même, ce simulateur. Des terrains de foot. Et les bâtiments sont tout 3D. C'est le Parc des Princes, il me semble qu'on vient de voir. Or, il me semble. Ah! La Tour Eiffel. Je vais essayer de pas la toucher, bien sûr. Donc je suis au-dessus de la Seine, l'Élysée. Oui, je vais faire très attention. Les quartiers sont vraiment magnifiques à Paris. Enfin oui, les quartiers, mais par contre les maisons ici sont vraiment bof, pas très réalistes. C'est quand même Google Earth est très utile pour connaître, enfin pour visiter des villes comme Paris et des grandes villes. Pas qu'à Paris, ça peut aussi être à Londres, à Barcelone, ah, un bureau de Casio, à Londres, à Barcelone, à Madrid, où vous voulez. Il y a vraiment des petits bugs encore, mais ils font déjà un très bon boulot de nous faire ça. On voit encore la scène. Ah, je vais me crasher. Ah ben, je me suis crashé. Ben, hein, c'est écrit, votre avion s'est écrasé. Vous pouvez reprendre le vol ou quitter le simulateur de vol. Si vous choisissez de reprendre le vol, votre avion sera placé au-dessus du crash. Nous allons reprendre, parce que la vidéo ne va pas se finir aussi rapidement. On voit vraiment toute la banlieue parisienne. Là, il y a plein de buildings, de bâtiments assez hauts.
Là, je commence un peu à laguer quand même. Même beaucoup. Mais ça sera pas très long. Elle sera pas très longue cette vidéo. C'était juste pour vous montrer. Et ce simulateur de vol. Là, je fais quelques petites figures. Ouh. Bon, ben, on va se quitter ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.